Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul vêtements. Donc ne faites pas attention à ma tête, je sors de la douche. Voilà, petite serviette sur la tête. Voilà, franchement là c'est un mall vraiment cocooning. Voilà, c'est parce qu'il me reste encore deux vidéos à tourner. Voilà, pour que je sois bien en avance et que, en fait, c'est pour éviter que ça traîne partout parce qu'en fait, avec ce meuble-là, du coup, j'ai dû décaler un autre meuble ici et en fait, du coup, faut pas que ça traîne parce que j'ai plus énormément de place. Donc maintenant, bah déjà, je faisais déjà avant, à chaque fois qu'il y avait un colis, je fais directement la vidéo. C'est plus simple pour moi, au moins, il n'y a pas beaucoup de bazar, mais vu qu'en ce moment, j'ai des problèmes de téléphone, vous le savez, et là, je filme encore avec le téléphone de mon chéri. Enfin mon ancien téléphone du coup, donc voilà. Donc c'est une commande de vêtements, cette fois-ci c'est une grosse commande, enfin une grosse commande. Oui et non. Donc vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, si j'ai déjà fait un haul le mois dernier, au mois de février, de la boutique Jessie Lemy Boutique, donc boutique. Donc elle s'appelle Audrey, voilà, ça va être plus simple pour moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien évidemment, comme d'habitude. Et en fait, elle vend des vêtements sur Facebook. Donc tous les mardis soir, elle fait un live Facebook pour montrer toutes ses nouveautés. Donc en général, elle va chercher ça le samedi au fournisseur. Et du coup, le mardi, elle revient avec une ribambelle de nouveautés. Les grandes tailles, ça va du 38 au... Bah, du 36 même, au 40, au 54, un truc comme ça. Enfin, jusqu'aux grandes tailles. Donc ça, franchement, c'est ce que j'adore. Voilà, elle va rigoler en voyant ma tête. Je fais une vidéo avec ma serviette, mais bon, voilà, tranquille, hein. Voilà, on est à la maison tranquille. Donc voilà, donc je tenais encore à faire une vidéo parce que j'ai repris des produits chez elle. Sachez que les vêtements, c'est une tuerie, juste une tuerie dingo, dingo, dingo. Les vêtements de la dernière fois, je les ai gardés, j'en ai plein. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, donc je vais commencer à faire le haul, il n'y a pas grand grand chose, donc voilà. Donc il y a déjà un haut et le collier, il est là, un haut avec un collier que j'ai payé, il me semble, 14 euros. Oui, c'est ça, au Bordeaux. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai noté sur mon petit papier donc de YouTube en fait, et j'ai noté au Bordeaux, donc 14 euros, il me semble. Après j'ai encore commandé là mardi dernier, donc là c'est ma commande de la semaine dernière et là on est début mars, on est 5 mars je crois, et j'ai passé une commande encore, donc vous verrez certainement encore une vidéo. Donc c'était 14 euros, donc c'est un haut Bordeaux au prix de 14 euros. Si je me suis trompée, il doit manquer que 1 euro, enfin là normalement je pense pas m'avoir trompée, mais au cas où, parce que des fois je me trompe à 1 euro, tu vois. Donc voilà, donc c'est 1 euro près. Donc ce haut-là, il est plutôt bien. Je l'ai déjà mis. Il est bien. Il me va très bien. J'ai déjà tout essayé hein, pour vous donner à peu près. Donc il est comme ceci. Il est plus long derrière et plus court devant. Oui, c'est ça. Plus court devant et plus long derrière. Donc ça cache bien les fesses. Donc un haut comme ça. Malheureusement, pour ce t-shirt-là. Bon, c'est pas grave, hein, moi je vais garder, je vais juste recoudre, mais faut faire attention là sur les côtés en fait, ça a tendance un petit peu à se découdre, mais bon, moi je vais voir ma maman bientôt, donc je vais le mettre au sèche, je vais le laver et je vais lui demander qu'elle me remette un petit coup de. Qu'elle me recoude un peu ça vite fait, vous voyez, juste qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Pof, pof, il y a juste à recoudre. C'est la première fois que j'ai un souci, mais bon, voilà, après moi ça me dérange absolument pas. Quitte à remettre un petit coup sur ce côté-là aussi, un petit coup, voilà, histoire d'eux. Mais moi, je suis très large du niveau bidou. Donc voilà, à part ça, très bien. Le t-shirt est très bien lui-même. Juste à recoudre là, parce que du coup, bah, là, du coup, bah, j'ai un trou. Non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. J'ai un trou, mais voilà. Sinon, de base, il n'y avait pas de trou, hein. Il était nickel, hein. Là, c'est parce que je l'ai mis à une soirée. Et que avec mon bidou, du coup, ça, voilà, ça a fait ça. Donc voilà, c'est pas bien grave. Moi, ça me dérange absolument pas. Il y a juste à recoudre. Et en plus de ça, pour 14 euros, il y avait ce magnifique collier qui va avec toutes les habits. Parce que là, par exemple, il est blanc. Quand vous le mettez sur un t-shirt, il devient la couleur du t-shirt. Et moi, ce que j'aimais, bah, en fait, ce que j'aimais bien, c'était ça. Et vous voyez, normalement, si j'arrive bien à vous montrer, ça va être bordeaux.
Donc voilà, donc en fait, tu as tout le temps la couleur du dessous, en fait. Donc on voit la couleur bordeaux, donc c'est ce qui est plutôt sympa, c'est ce que j'ai plutôt bien aimé. Donc dans le prix de 14 euros, il y avait aussi le collier, donc ça c'est plutôt bien. Il y a souvent des colliers aussi qui sont fournis avec, donc c'est plutôt pas mal. Qu'elle a bien évidemment au fournisseur, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un autre haut. Lui, je l'adore, il m'a coûté 18 euros, il m'a coûté un peu plus cher. Donc vous voyez, il y a les étiquettes, hein. Moi, l'autre, il n'y avait pas d'étiquette parce que je l'ai mis une soirée et il y a bien marqué 18 euros sur le t-shirt. Donc, en fait, c'est pas un t-shirt, c'est un haut. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et en fait, moi, j'adore ce genre de haut-là. En fait, je ne savais pas si ça allait m'aller. Honnêtement, j'ai pris parce que j'aimais bien les motifs. Et donc, motif à carreaux comme ça. Donc, en fait, noir là au niveau de la poitrine. Et en dessous, en fait, un peu carré. Et un peu boutonné devant, vous voyez, un petit peu en forme de chemise. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Attendez, je vais me reculer. Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait. Et en plus, avec le petit col qui fait bien. Comment ça s'appelle? Bien. Qui fait bien un petit col chemise. Donc voilà, très bien. Alors, moi, il m'aurait fallu une taille un petit peu plus grande. Mais. Il m'aurait fallu la taille un peu plus grande, mais parce qu'en fait, si vous voulez, là, moi j'aime bien quand ça baille un peu, enfin quand c'est assez bien. Mais là, du coup, avec cette taille-là, du coup, c'est un peu serré. Mais vous inquiétez pas, je vais le mettre quand même. Je le mettrai quand même, hein, de temps en temps à la maison, pourquoi pas. Mais du coup, faut pas que je fasse de trucs, de gros trucs, de trucs de folie, genre lever les bras, ouah, genre aller en teuf avec ça, en soirée avec ça. Non, parce que vu qu'on fait toujours des conneries, machin. Donc non, mais pourquoi pas dans la vie de tous les jours, pourquoi pas pour ça. Donc voilà, après c'est une taille unique, donc... Enfin c'est pas une taille unique, mais c'est quand même stretch... C'est stretch Elastane, comme elle dirait ici. Donc voilà, après c'est juste moi au niveau des bras, j'ai un petit peu les bras un peu trop gros au niveau d'ici, et du coup bah ça a tendance ici à être un peu serré quoi, mais bon voilà. Je le mettrai quand même, je l'ai essayé, il me va, je rentre dedans, je suis trop contente. Et au final, les petits motifs à carreaux, ça me va trop bien. Donc c'est un haut à 18 euros. Ensuite, donc le petit collier d'avant que je vous ai montré était tout simplement dans cette petite pochette-ci avec du papier bulle au niveau du transport pour pas casser. Donc voilà, c'est plutôt bien, moi je vais le remettre dedans pour pas casser, donc c'est... plutôt bien. Ensuite, j'ai acheté un pantalon. Donc, pareil, il était bien emballé sous le plastique, hein, mais c'est moi qui en vais pour pouvoir essayer et vous dire si ça me va ou pas. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté un pantalon. Donc, pour la petite anecdote, donc j'avais acheté un premier pantalon chez elle qui était du 44, sauf qu'il était trop petit. Donc je l'ai mis sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller sur mon Vinted qui est mis à Vinted L6, donc n'hésitez pas à y aller. Petite pub en même temps. Et du coup j'ai pris la taille plus haute, donc la taille 46, donc c'est un pantalon en taille 46, donc l'étiquette est juste ici. Miss Wang, je sais pas quoi. Donc il y a toujours les étiquettes, donc là j'avais bien pris 46, sauf que du coup, et bah vu que j'ai un petit peu de bite, et ben en fait ça rentre, mais ça rentre juste sachant que c'est que tous ces pantalons seront élastanes et sont élastanes à chaque fois, comme vous pouvez le voir il est bien bien élastane, mais sauf que vu que j'ai un peu de bidou je rentre, hein, il n'y a pas de panique, bon les pieds c'est juste mais je rentre, il n'y a pas de panique, mais il est un petit peu serré, donc la prochaine fois je prends 48 et je crois que dans la il me semble que dans la prochaine commande il y a un pantalon, il me semble il est gris. Il me semble que j'ai commandé un pantalon gris en taille 48 cette fois. Voilà. Donc je lui ai dit, tant que j'ai mon bidou, je prendrai du 48. Et une fois que mon bidou sera... Enfin, une fois que j'aurai moins de bidou, quoi, je pourrai prendre du 48. Donc franchement, vous pouvez y aller. Franchement, c'est des bons pantalons. C'est des pantalons comme en commerce. Donc c'est Miss Wang. Donc voilà. Donc c'est son fournisseur qui a ces pantalons-là. Un peu déchirés ici. Et déchirés au niveau ici aussi. Donc là, il est déchiré ici et de ce côté-là, il est déchiré un peu plus haut. Donc franchement, c'est très bien. Pantalon normal. Donc c'est un peu un taille slim.
Et en fait, il est bien, mais quand tu te baisses, en fait, c'est pas hyper agréable. On voit pas trop tes fesses, mais on voit, enfin, on voit pas trop la lune, comme je dirais, mais voilà, ça a tendance à baisser. Donc, je pense que je prendrai du 48 et ce sera juste génial. Là, le 46, il est bien aussi. Donc, je vais le garder précieusement. Je le mettrai de temps en temps. Mais je vais le garder comme ça quand je ferai, quand j'aurai perdu un peu de la doux, quoi. Je pourrais le mettre facilement, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, le pantalon était à 18 euros. Donc, ça va, franchement, c'est pas cher. Et ensuite, le dernier produit où je suis super contente de l'avoir pris parce que j'ai hésité de dingue à le prendre. C'est un sac à main qui était seulement à 12 euros. Un sac à main à 12 euros. Donc, il est comme ceci. Donc, pareil, emballé dans du papier. C'est toujours très bien emballé. Il y a toujours du papier. Enfin, on voit vraiment que ça sort du fournisseur. Donc, un sac à main beige comme ceci. Donc, franchement, je kiffe de dingue. Je kiffe de dingue. En plus, seulement 12 euros. Moi, je pense que chez elle, pour être honnête, je vais vachement craquer sur les sacs à main. Alors, mon mec pète un plomb, mon père pète un plomb parce que j'ai plein de sacs à main. Voilà. Bon, je ne les ai pas encore mis en haut, mais je voulais les mettre en haut. Mais bon, voilà. Il pète un plomb parce que j'ai plein de sacs à main. Mais comment vous voulez-vous résister à ce sac à main-là à seulement 12 euros, quoi? Et il est grave beau, quoi. En plus, c'est fait un peu, on dirait un peu bois. Mais c'est pas bois, hein, c'est juste l'effet. Et il est comme ça. Enfin, il est juste dingue avec une petite truc là. Donc là, il faudra bien bien former parce que du coup, avec le transport, bah, ça a fait des pliures, etc. Parce que du coup, c'était bien plié. Mais moi, je suis plutôt contente de... Moi, je suis grave contente de cet achat-là. Hein. Je sais pas, vous me direz si vous aimez bien ou pas, mais moi, j'aime beaucoup. En plus, beige, c'est pas forcément... On voit pas forcément ça tout le temps. Et moi, en fait, quand je l'ai vu, direct, je me suis dit, oh non! Pour cet été, ça va être franchement bien. Parce que moi, l'été, j'aime bien les grands sacs à main. Parce que quand t'es en t-shirt et tout. Genre, même avec ce t-shirt-là, vous voyez, ça va hyper bien. Comme ça, cet été, bah hop, je pourrais avoir mon grand sac à main. Moi, je kiffe l'été avoir des grands sacs à main. Parce que l'hiver, avec les manteaux, les grosses doudounes et tout, moi, je préfère avoir un petit sac à main l'hiver. Mais l'été, mon gars, je préfère avoir demi-saison, tu vois. Un sac comme ça, nickel. Donc, franchement, bonne qualité. Hein. Là, il y a. Enfin, c'est comme du cuir, vous voyez. Et là, il y a les petits trucs comme ceci. Et à l'intérieur, il y a une petite pochette. C'est un truc bizarre. Il y a une petite pochette à zip ici. Donc, en général, les gens y mettent leur argent ou quoi. Juste un zip ici, c'est tout ce qu'il y a. Et il y a aussi, bien évidemment, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le petit zip de l'intérieur. Moi, en général, ces trucs-là, je les mets comme ça à l'intérieur. Comme ça pendouille pas. Et voilà. Donc c'est un sac à main juste dingo. Donc seulement 12 euros quoi. Franchement, quand j'ai entendu le prix 12 euros, pam, 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 j'ai foncé. Et ces sacs à main sont souvent à 15 euros. Souvent c'est 15 euros. Et là c'était 12 euros. Donc franchement, j'ai foncé. Et en général, c'est 15 euros maximum. Ça dépasse pas les 15 euros. Donc voilà. Donc, franchement, je suis trop contente de mon achat. J'avais trop hâte de vous le montrer et de pouvoir l'avoir, enfin de pouvoir l'enlever du plastique surtout. Et je pense que je vais le mettre avec mon autre sac à main que j'ai juste ici. Alors attendez, je vais essayer de vous prendre sans vous tomber en couille, vraiment coucouning. Hein. Donc avec mon sac à main qui est juste ici, là-haut, voilà. Donc j'essaierai, je le mettrai certainement avec. Je le mettrai certainement avec, voilà. Donc voilà, petite déco sympa en plus. Donc franchement, je suis trop géniale. Je suis trop géniale. Je suis trop contente pour pour ce sac à main-là. Vous inquiétez pas, je referai des commandes parce que je kiffe, je kiffe, je kiffe à donf. Et j'ai repassé une commande là. Pour le mois de mars, il n'y en aura qu'une seule parce que du coup, j'ai commandé trois trucs, trois, quatre trucs, trois trucs, je crois que j'ai commandé aussi. Mais du coup, j'en mets pour à peu près 50 euros. Donc voilà. Là, c'était une commande en deux ou trois fois. Donc deux ou trois mardis qu'il y avait. Parce que du coup, j'avais pris. Une première fois, j'avais pris le haut. Une deuxième fois, j'avais pris que le pantalon, je crois. Et je crois que la troisième fois, j'avais pris le sac et le haut, sachant que c'est trois mardis différents. Donc trois semaines différentes. Donc voilà. Mais là, ce mois-ci, je pense que. Après, je verrai en fin de mois. Peut-être qu'en fin de mois, le dernier mardi du mois.
Je rachèterai des trucs, mais là, pour l'instant, non, parce que la commande que j'ai faite, bah, du coup, mardi, là, j'en ai pour plus de 50 euros. Donc, voilà, donc, faut quand même être raisonnable et ne pas mettre tout son argent dedans. Voilà, comme ça, moi, ça me permet d'avoir un petit peu de fringues petit à petit. Donc, voilà, mais je passerai encore commande chez elle. Il n'y a aucun souci avec ça. Franchement, je repasserai commande. Je vous dis... Passez commande, elle a Facebook et c'est Audrey. Et son Facebook, c'est Jessie Lemy Boutique. Voilà, Jessie Lemy Boutique. Sur Facebook, c'est une bouche. N'hésitez pas à me dire, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais franchement, allez-y, foncez, c'est une bouche rouge. Si j'arrive pas à vous mettre le lien, je vous mettrai juste le nom. Mais la photo de profil, c'est une bouche rouge en fait. Et franchement, foncez, c'est une nana qui est super géniale. Son mari, il est génial aussi. Je pense que je vais souvent vous répéter ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est des gens juste géniaux. Voilà, ils sont comme nous, ils galèrent aussi. Voilà. Moi, ils ont un courage de dingue. Le samedi, ils vont au fournisseur. Enfin, ils sont toujours partis au fournisseur. Voilà. Moi, franchement, je leur tire mon chapeau. Donc voilà. Et pour vous expliquer un peu quand vous y allez, quand vous êtes nouvelle, je voulais vous expliquer ça tant que j'ai un petit peu de temps. Quand vous arrivez là-bas, donc elle va vous demander si vous faites partie de deux ou trois autres, si vous avez commandé avec deux ou trois autres filles, voilà, qui font partie de son groupe. Si vous avez déjà commandé avec les filles, il n'y aura pas besoin de faire de paiement. Mais si vous venez, par exemple, de moi, ma chaîne YouTube, vous venez de moi, il faudra que vous payiez le premier article, en fait. Donc, vous avez un article, vous payez le premier article. Et donc, vous payez le premier article sur PayPal. Et en fait, si vous en commandez plusieurs ce jour-là, les autres paiements, vous pouvez le faire le lendemain parce qu'elle fait des récapitulatifs le lendemain. Et le jour d'après, donc le mercredi, elle fait les récapitulatifs. Et le jeudi, elle fait les envois colis normalement. Le jeudi, c'est ça, elle fait les envois. Mais des fois, ça peut être le vendredi matin. Voilà. Mais en général, on reçoit ça assez vite parce que quand elle envoie ça le jeudi, moi, je le reçois le mardi. Donc, c'est à peu près une semaine de délai. Donc c'est plutôt pas mal. Sachez aussi qu'ils font des petits jeux où vous pouvez gagner des petits, je sais pas, des porte-monnaie gratuits. Voilà, c'est sous forme de petits concours. Vous mettez un numéro et enfin après, il faut vraiment écouter ce qu'ils disent et vous pouvez gagner des petits trucs. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai fait gagner un truc la dernière fois, donc ça peut être des sacs à main, ça peut être plein de trucs. Et souvent, à la fin de la vidéo... Là par exemple mardi dernier c'était un sac à main qui faisait gagner. Donc sachant que les sacs à main chez eux ont une valeur de 15 euros, donc quand même t'économises 15 euros si tu gagnes le truc. Donc franchement voilà. Et puis même c'est content, on est content, ça fidélise les clientes, donc c'est plutôt pas mal, clients et clientes. Pardon, c'est plutôt pas mal, donc moi j'aime beaucoup. Et puis pour participer au jeu, voilà, au petit jeu là, la première fois vous ne pouvez pas participer. Parce que du coup, bah, vu que vous êtes nouvelle, vous ne pouvez pas participer. Mais la semaine d'après, en fait, vous pouvez participer. Parce que du coup, vous avez déjà fait un premier achat et tout ça. Donc, vous pouvez participer la semaine d'après. Donc, voilà. Donc, je vous ai tout dit. Moi, je les adore. Maintenant, je passe que par elles. Franchement, parce que même si c'est trop petit, tu peux lui redonner. Et en fait, elle fait le nécessaire parce qu'elle, elle peut le revendre et tout. Tu peux lui redonner et tu peux être remboursé. Moi, en général, moi par exemple, le pantalon que j'avais trop petit, que je l'ai encore là. Mais je ne lui ai pas renvoyé parce qu'en fait, ça fait des frais d'envoi. Ça lui fait des frais à elle aussi. Donc voilà. Donc autant, si vous avez des trucs trop petits, parce que ça peut arriver, parce que c'est un achat par internet, donc vous ne pouvez pas forcément les essayer. Moi, je serais pour que si vous ayez des affaires qui sont trop petites, parce que ça peut arriver, de donner à vos copines ou votre famille ou. Tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis sur... Enfin, je l'ai mise sur Vinted et bah, pour l'instant, bah, il s'est pas vendu au prix normal. Parce que je l'avais vendu 20 euros. Je l'ai descendu à 15 euros, vous voyez. Donc voilà, on verra. Après, si je récupère des sous, tant mieux. Si je récupère pas des sous, tant pis, voilà. Mais au moins, ça sera pas perdu. En plus, en fait, c'est que c'est une nouvelle fringue, quoi. C'est pas une fringue déjà utilisée. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça. Comme ça lui évitera les envois. Et au moins, pourrez-vous faire plaisir à quelqu'un d'autre, même si c'était pour vous. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, à me poser toutes les questions que vous voulez sur Audrey. Donc elle s'appelle Audrey, donc c'est Jessie
J'arrive pas avec son nom de boutique, hein. Jessie Lemy Boutique. Boutique. J'arrive pas avec son nom de boutique, c'est horrible. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à me poser des questions si vous avez des questions. Et voilà, mettre un petit commentaire. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.